Comme tous les samedis matins, le petit marché du Carrefour Sni dans la commune d'Ovendo grouille de monde. À majorité des femmes qui mettent ce jour à profit pour effectuer quelques courses. Sur place, on y trouve un peu de tout. Des légumes, du poisson, frais ou fumé, bananes, manioc, taro, voire même du gibier de toute espèce. Un marché bien fourni qui attire de plus en plus de monde, surtout en fin de semaine. Tant certaines personnes ont déjà eu le temps de contracter des abonnements sur le ravitaillement par les commerçants de certains produits alimentaires, surtout provenant des villages. Seulement, ces commerçantes devraient déjà s'attendre à un éventuel déguerpissement de ces lieux pour rejoindre le tout nouveau marché de la commune actuellement en voie de finition. Une éventualité qui fait mal. Ici, les commerçantes évoquent déjà la difficile accessibilité de ce marché érigé au quartier Akournam 2, à quelques 2 km du lycée technique Omar Bongo. Démarré il y a quelques jours, les travaux relatifs à la construction d'une passerelle devant relier le quartier à Kemindjohoni à Bessieux dans le 3e arrondissement de Libreville suscitent une lueur d'espoir aux habitants de ce quartier qui disent leur joie. Je suis né dans le quartier, je suis à pratiquement 40 ans aujourd'hui et c'est la première fois que je vois un signal aussi fort que celui-là. Parce qu'il faut dire honnêtement que depuis très longtemps, nous sommes très agacés avec ces poubelles par-ci, par-là. Et la dernière fois, Laure Gangoudjou nous a rendu visite. Elle nous a fait la promesse de ce qu'elle devait venir s'occuper de l'aménagement de cette route-là. Et aujourd'hui, et ces choses faites, sincèrement, je suis très content pour le travail qui a été fait depuis 3 jours. C'est un grand soulagement pour les populations d'Akimindjoroni, désormais qui vont pouvoir passer ici sans problème. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à chaque petite pluie, on passe ici avec la boue sur la tête. Et je pense qu'avec l'allure, j'ai vu les travaux commencer depuis 3 jours, je pense que d'ici quelques jours, ce serait un ouf de soulagement pour nous ici. Initié par Laure Olga Ngondjou, membre du bureau politique PDG, à la demande de ses populations, les premiers coups de pelle donnés sur les lieux tracent la voie de ce qui va se faire, et ce, dans les plus brefs délais, dans le but de désenclaver cette partie du quartier. Il y avait une grande poubelle là, qui dure déjà pratiquement 2 décennies, plus de 25 ans. Et aujourd'hui, c'est un geste peu... La femme qui est candidate de liste du PDG, qui est Laure Olga Ngondjou, sur la demande, bien sûr, des populations, accompagnée de notre grand frère Javornian, qui a demandé qu'à la veille de cette campagne, nous souffrons, parce qu'elle avait fait un tour comme ça au village, et puis on a profité de la soumettre le problème qui s'est posé ici. Elle nous a fait venir tout de suite le génie militaire. Déjà, nous sommes satisfaits, parce que c'est déjà très ouvert. C'est d'abord ce qui nous fait plaisir, parce qu'on a pu nous ouvrir là. Personne ne pouvait passer. Et demain, avec la passerelle, je pense que peut-être les populations vont freiner de plus jeter les poubelles, parce qu'avec un endroit où les gens passent, je pense que ça va permettre aux gens de ne plus jeter des ordures. Reste à ces jeunes volontaires, visiblement épris de problèmes de salubrité, d'accentuer la sensibilisation auprès de leurs concitoyens, ceci pour amener les uns les autres à adopter des comportements sains et partant de la bonne préservation de leur environnement immédiat, sachant que leur santé en dépend. La Convention nationale des syndicats de l'éducation nationale dure sur le temps, et ce, contre le ministère de tutelle et le gouvernement. C'est au sorti de leur point de presse tenu ce samedi à Libreville. Ainsi, demande-t-elle de... 1. Régulariser les situations administratives des enseignants du pré-primaire. 2. Annuler les mesures impopulaires, inadaptées, assassines, qui hypothèquent lourdement l'avenir de la jeunesse gabonaise. 3. Construire des salles de classe pour juguler le phénomène d'effectifs pléthoriques visibles dans nos établissements. Engagement repris par le chef de l'État le 16 août 2013, promettant la construction de 400 salles de classe avant la rentrée scolaire 2013-2014. 4. Payer les rappels, les arriérés de PIF de 2010, 2011, 2012, 2013, ainsi que les vacations relatives aux examens et concours selon les taux établis et non à la tête du client. 5. Mensualiser la PIF à l'instar du personnel de santé et des affaires sociales. Aussi appelle-t-elle à la responsabilité de parents à garder leur progéniture à la maison le lundi 25 novembre, comme indiqué par le chef du gouvernement. Nous demandons pour ce faire aux parents d'élèves de prendre leurs responsabilités en gardant leurs enfants à la maison le lundi 25 novembre 2013 afin d'éviter que ces derniers se fassent encore lyncher par les policiers et les gendarmes. Quant aux élèves, nous leur disons que face aux réformes prises par le ministre de l'Éducation nationale, leur avenir est plus que jamais hypothéqué.
Une situation qui semble perdurer dans le secteur de l'éducation, dont les élèves payent les pots cassés. Ces derniers restent dans l'espoir que l'année scolaire ne prenne pas la couleur blanche. Clôture ce vendredi du séminaire sur l'élaboration des situations problèmes des sujets d'examen. Durant 5 jours, les conseillers pédagogiques ont débattu sur l'amélioration et la conception des épreuves pour un meilleur rendement aux différents examens et concours. Dans l'amélioration de la pertinence des épreuves, l'aspect amélioration de la conception générale des épreuves. Dans l'amélioration de la validité des épreuves, l'aspect amélioration de la conception opérationnelle des épreuves et celui de l'amélioration des procédures de correction. Le professeur Xavier Rugger a toutefois suggéré que la DGEC soit ouverte, c'est-à-dire qu'elle communique avec les autres acteurs du système éducatif toute l'année et beaucoup moins pendant les mois de mai à juillet, période consacrée exclusivement à l'organisation des examens. Les différents ateliers ont satisfait l'ensemble des participants qui se retrouvent dans le rapport final des 10 travaux. Nous, participants, tenons à exprimer notre entière satisfaction pour le bon déroulement de ce séminaire. En effet, les principaux objectifs visés, c'est-à-dire l'amélioration de la conception des épreuves des différents examens, l'amélioration de la conception des grilles de correction, le développement professionnel et personnel de chaque participant, de notre point de vue, ont été largement atteints. La remise des attestations aux participants a clos la cérémonie de ce séminaire.